Mais waouh, mais quelle année! Franchement, chaque année, je dis que l'année qui vient de s'écouler est incroyable. Chaque année, je me dis ça, et chaque année, c'est encore plus magnifique que les années précédentes. Et 2023 n'échappe évidemment pas à la règle. Entre les 12 dates de Kev Adams que j'ai faites cette année, les concerts de Big Feu Oli qui m'ont fait devenir visionnaire parce que juste, c'est une dinguerie de les voir sur scène et c'est une dinguerie de voir comment leurs shows sont exceptionnels. Entre le show Drag Race que j'ai vu et qui m'a permis de me rendre compte que finalement le drag n'était pas si éloigné de ma personnalité. Les manifs, l'avantage d'habiter en ville depuis 2 ans et qui m'a permis en 2023 de faire énormément de manifs à Perpignan mais aussi sur Montpellier pour la Pride ou à Paris pour la manif des violences sexuelles et sexistes. Et ma confiance en moi. Ma confiance en moi qui est là, qui devient de plus en plus forte, qui m'aide à me reconstruire d'année en année. Et merci également à vous. Parce que cette année, on a atteint un cap incroyable. Cette année, je me suis retrouvée à 1500 abonnés sur Instagram. 1500 abonnés. Grâce notamment à la Good Vibes que je vous donne en live sur TikTok. Merci pour les 5000 abonnés sur TikTok. Merci pour les 1500 abonnés sur Instagram. Et puis, que dire à part, merci 2023. J'espère que 2024 m'apportera autant de bonheur que toi, tu as su m'en donner. Une fois de plus, en 2023, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes.